Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là, depuis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous montrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Jodi a parlé vite au côté en conférence pour la presse, plusieurs ministres organisés sous disposition gouvernement prend pour ouvrir aéroport international Toussaint Louverture pour tout vol commercial ici en Haïti 30 juin 2020. Ministère public, transport et communication, Nadej Wazeïs, baille toute explication avec disposition gouvernement déjà prend pour ouvrir l'autre deux aéroports internationaux, c'est Okai et Jérémy. Nous allons vite au côté ministre des Travaux publics là qui parle des derniers détails sur route qui déjà réalisée et puis travail route qui pour qu'on réalise mais y a travail sur yo travail pont avec plaisir l'autre information. Si c'est premier pour visiter nos informations nous partageons intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là et bien nous pas perdre de temps n'a pas commencé cool yeah. Les étudiants, les élèves tapent en plein en vacances puisque Canet a baillé dernier vendredi le mois de juin. Mais comme ça, entre jeudi et vendredi, tout petit monde, tout jeune, nous prenons Canet. Nous avons comme cette attention. Ça qui t'a passé, ça qui a joué, ça qui a joué, et ça qui n'a pas passé, tu as rendez-vous l'année prochaine. Et bien certainement, semaine prochaine, c'est ta baccalauréat. Nous ne sommes pas là. Parce que sécurité sanitaire oblige l'État de fermer l'école, de fermer l'université depuis 19 juin 2000 avec découverte premier caillou dans le pays. Trois mois plus tard, mon paquet d'activités qui étaient fermées tout, principalement les activités économiques, les ports et les aéroports étaient fermés tout, c'est des décisions de l'État et ça permet de faire une décision ça. Avec un paquet d'autres, que jusqu'à présent, catastrophe n'a pas arrivé. Pronostic, justement, c'était pour sensibiliser le monde dans la population. Pour dire, si nous ne prenons pas précaution, d'abord, au niveau nous-mêmes comme l'État, ensuite, au niveau population, avec un hécatombe. Des précautions qui prend, même si nous sommes rebelles, c'est la nature de l'homme haïtien. Son peuple qui fait 1803, donc nous sommes rebelles, nous sommes réfractaires dans certains cas. En dépit de ça, il y a des gens qui ont des comportements responsables qui fait que la catastrophe là pas arrivé. Et nous, on a parlé là d'une nouvelle dynamique qui est développée à travers la planète. Les pays ont commencé à mettre au point pour vivre avec maladie. Nous-mêmes, tout comme l'État, nous ne pouvons pas arrêter loin. Nous ne pouvons pas arrêter de guerre. En pile réflexion faite dans 3 mois et demi, ça, bon côté scientifique, bon côté expert, bon côté monde qui a une grosse capacité pour faire réflexion la caille. Je dis une convocation que nous avons là dans le ministère du Tourisme, c'est pour partager avec la population disposition qui prend au niveau de l'État pour réouvrir l'aéroport là. Il y a un groupe de travail, donc une équipe restreinte qui était dans réflexion et dans production, ça y est comme compréhension, comme constat, et ça y est pensé tout, sur l'aéroport là. Le groupe de travail là, il y a plusieurs ministères là-dedans. Sur la table là, nous avons 3 ministres. Et il y a une équipe qui a réfléchi sur qui gens pour nous capables de l'ouvrir aéroport international pour ces ouvertures. Il y a un ministre de la public là, ingénieur José Isnader, il y a un ministre Isla, Mme Myriam Jean, il y a un collègue Guy François Junior, André Guy François Junior, qui est ministre délégué pour côté premier ministre là, qui réfléchit sur la question de citoyenneté avec patriotisme. Des heures, des nuits de travail, des journées de travail que vous faites sur l'aéroport. Il y a une instance dans l'État qui réfléchit tout sur la question de l'aéroport. Puisque la question n'est pas seulement une question de génie aéronautique. Non. Il est d'abord et surtout sanitaire. Donc, santé publique participe tout dans la réflexion. Santé publique a bien pour faire une conférence à part
pour dire eux-mêmes, bon côté par eux, mais ça ils fait pour recevoir les gens qui sont dans le pays. Et pour voyager tout ce monde qui est sorti. Parce que la question pour là, c'est d'abord, alors c'est à la fois. C'est à la fois entrer et sortir. C'est ça, aéroport là. Et c'est pas ça, je ne suis pas entré pays, c'est pas sorti tout. Ni honneur pour mettre du ingénieur Joseph Nader, qui parle de nous, puisque c'est aéroport là dépend de lui-même, comme ministre de la République, Transport et Communication. Il a distribué l'autre intrant qui permet de protéger la tête dans le moment pandémique. Sous aspect ça et sous question à pour là tout, puisque pour nous recevoir mon yo, bon j'en vous faire le jour dire, pour partager avec nous ça qui est fait comme travail. Je viens d'ailleurs, nous avons l'honneur pour nous recevoir dans cette information permanente sur le coronavirus qui a fait jeudi dans le ministère du Tourisme. Merci collègues. Bonjour Guy, bonjour mesdames. Bonjour. Donc, vous connaissez suite à la maladie coronavirus. Qui était pandémie, ça a quitté attaqué le monde entier. Et le jour qui est 19 mars, le président de la République, là, pendant que nous étions au conseil ministre, l'Elvin connaît Haïti, il y a au moins un cas, il prend décision rapidement de fermer l'aéroport. Et mesure ça, tout à l'heure, nous avons dit résultat qu'il bail. Rapidement nous-mêmes, qui responsable aéroport. Nous avons commencé en train pour parler avec différents secteurs qui ont dynamique ça. Et au lieu que nous-mêmes, en gouvernement, nous avons fait réunion pour nous prendre décision pour contenant, étant donné que c'est eux-mêmes qui ont secteur, c'est eux-mêmes qui vivent avec elle, c'est eux-mêmes qui ont expérience avec elle, nous avons commencé en train pour parler avec eux pour nous prendre besoin. Ça a eu comme problème. C'est ici qu'ils ont été formés en task force pour nous faire une doléance tout le monde, pour nous faire gérer la période ensemble. Dans la période, ça, après la première réunion, nous avons fait, moi, j'ai trouvé un Myriam Jean, un ministre très dynamique, et c'est lui-même qui présidait toute réunion qui était dans la task force. Hein. Je vais le passer tout à l'heure, m'a parlé avec nous. Et l'ensemble des éléments qui étaient débattus dans la force qui étaient abouti à une réouverture à l'aéroport qui a fait sans problème pour nous respecter tous les principes qui ont fait dans l'aéroport international là, et l'autre. C'est même bagaille ça a tout qu'a fait dans notre pays. Dans le cadre de ça, je vais passer non. Ma ministre Myriam Jean, capable d'expliquer non. Tout débat qui était fait pour nous arriver là, dans l'ouverture ça, qu'a fait 30 juin, qu'a venu là. Merci un peu. Merci ministre. Bonjour à tous. Nous saluons tous les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui hein, et nous disons merci que nous déplacer. Et par contre, si SEA a fait, mais nous avons besoin d'excuser le petit que nous avons. Nous-mêmes, nous sommes là à midi, mais ministre.
travaux publics là ont l'autre urgence que l'a géré que nous sûrement connaissons, c'est des situations qui toujours arrivent nous dans le pays là. Donc nous voulons excuser et n'a demandé excuses pour les tout à cause de petit retard ça. D'accord, moi dis nous merci jeudi. Travail que nous faisons, c'est pour nous conforter l'esprit de tout le monde par rapport à l'ouverture à l'aéroport. D'accord? Nous devons faire déplacement sérieux, nous devons faire de manière à ce que nous parlions avec tout le monde pour nous rassurer, et voyageurs, et diaspora nous qui besoin rentrer dans le pays, et population nous qui l'a jodi. Mais ça m'a dit nous, c'est que le nous ont résultat, c'est pas du jour au lendemain ou dans les heures qui suivent que résultat a fait. Résultat, c'est travail, un pile sacrifice. Sacrifice pour quitter la caillou, pour quitter cabanou bien bonheur. Sacrifice pour rentrer à la caillou, pour ne pas dormir suffisamment. Sacrifice un paquet de monde, c'est ça le travail d'équipe, qui met ensemble, qui monte en task force sur la coordination d'abord du ministre des Travaux publics, nous-mêmes ministres, et je n'ai pas visé que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, tout, qui fait partie de task force là, Gonzague D, Affaires étrangères aussi, ministre Claude Joseph, qui parle là jeudi, hein, parce que nous ne voulons pas un panel qui trop pour nous pas parler de trop. Mais yo, tout yo travaille activement sous pour, tout leadership exécutif là, pour nous bailler le travail que nous allons présenter nous là. Nous ne pouvons pas faire un pile temps dans la présentation. Hein. Donc, ça me voulait nous comprendre, c'est que grand pile monde, petit, grand pile monde, next, qui travaille pour ça. Par exemple, OFNAC. Nous connaissons OFNAC, c'est lui-même qui est responsable. Et, trafic aérien dans l'air. Nous gagnons AAN qui est responsable espace aéroport. Yo. Nous gagnons PNH. Bon, PNH, nous pas gagnons mot pour nous saluer. Travail PNH parce que c'est eux qui devant. Nous gagnons douane parce que nous connaissons un processus. Le voyageur après entrer dans n'importe quel pays, le rivé à terre. Non seulement les lignes aériennes, mais le rivé à terre, les gagnons gens pour l'entrée dans le pays. Ya. Donc après, les fins passées, immigration, qui là, qui était là avec nous tous, et puis qu'on est libre à le passer douane. Ensuite, BLTS, parce que nous avons sécurité à l'intérieur de l'aéroport, ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle les services au sol, c'est moun qui ben nous tout ça ne va pas. Le bagage nous passe nos appareils, et puis ils viennent joindre nous. Tout ça, c'est service au sol. Et puis, les compagnies aériennes. J'ai laissé le MSPP après, parce qu'en général, par contre, pour les gens qui ont voyagé, il y a des aéroports nous arriver, ils demandent nous est-ce que nous gagnons viande, est-ce que nous gagnons manger cru, est-ce que nous gagnons, est-ce que nous allons l'autre pays. Ça, c'est travail agriculture et MSPP. Pour qui ça y est là, c'est pour mettre des balises, des barrières pour des maladies pour entrer dans le pays, pour venir détruire flore, pour venir détruire faune, pour venir contaminer population, infecter population et tout. Donc, moi, je voulais quitter MSPP pour après, parce que c'est un gros maillon, une chaîne de travail de task force que nous faisons. Okay? Donc, je vais aller. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. C'est des réunions de 3 à 4 heures pour nous arriver à coucher de un produit qui va rassurer tout le monde et employés qui a utilisé l'aéroport là et voyageurs. Et ligne pour employer ligne aérienne et policier PNH, officier immigration, officier douane, tout le monde ensemble. Donc, c'est travail ça qui fait. C'est travail ça qui fait pendant et bon, on passe nous de critères PDA. Donc, on va montrer nous résultat travail task force là. Continue. Slide 7. Donc, ça, c'est approche là, agir, planifier, agir, vérifier et puis faire. Ça veut dire son approche en général en administration ou faire réunion pour nous planifier ça nous va le faire. Nous faire réunion, nous faire ça nous te dit nous va le faire, nous agir, nous vérifier action. Il y a eu beaucoup de simulations à l'aéroport. Next. Et ensuite, maintenant, nous garder qui ça pas marché pour nous adapter. Donc ça, ce sont des démarches qu'on a utilisées et je veux que vous sachiez que démarches ça répondent à
critère OACI, qui c'est organisation qui est responsable trafic aérien. Continue. Slide 7. OK. Tableau, ça, c'est l'équipe important. Dans la démarche pour nous utiliser, réouvrir l'aéroport, là, nous sommes obligés de mettre un autre protocole en place. Et toute entité que nous avons citée au départ, elle tout fait partie de protocole ça. Et protocole ça nous fait plusieurs simulations dans les vols qui ont été autorisés avant que nous établissions le protocole ça, qui c'est le protocole pour le départ, le moment en partie. Protocole ça, il est important pour qui ça? Parce que l'aéroport nous, hein, j'en ai configuré à nous obliger à aménager tout le monde pour respecter les mesures barrières. Il est clair que Gombara m'a dit nous là aujourd'hui pour nous entrer dans cet aéroport là. À partir de date réouverture là, le port du masque est obligatoire. Sinon, pas qu'à rentrer. Si pas un masque, ou pas marron foulard et le port du masque est obligatoire en tout temps. À l'intérieur de l'aéroport. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail pour m'expliquer, nous, parce que des fois, nous avons exactement ça qu'on fait là. Moi, avec le ministre Nader et le ministre Guy François, nous avons planifié d'ici le 29 pour nous faire une simulation et nous avons invité les journalistes à venir faire une simulation au départ et à l'arrivée pour ça. Justement, que m'a insisté sur lui, c'est que le travail que nous parlons, c'est le plus important. Ma bonne petite histoire, moi, j'ai Amélie, qui sont joueurs de tennis. Après 20 ans, il réussit à venir première mondiale. La presse française, pendant toute la journée, c'est ça seulement qu'il a dit, qu'un joueur qui saute la caillou, Amélie Mauresmo, on fit arriver première mondiale. Eh bien, le yo a interviewé Amélie Mauresmo, qui ça le dit? Il dit, mais ça prend 20 ans pour nous vivre première mondiale. Est-ce que nous travaillons 20 ans ça? Levé bonheur, pas dormi, crier, fatigue, frustration, l'eau perdu, échec. Nous connaissons, nous qui comprenons ça que les échecs. Il dit, ça m'a pris 20 ans. Donc, ça n'a pas glorifié pour une journée ou bien pour une semaine, pour un mois. Je dis, regardez, 20 ans de travail pour m'arriver là. Donc, ça nous prend leur simulation ou bien leur mounia vini, son travail des semaines avec toute entité que moi cité là. Et chaque te gon rôle et chaque prend responsabilité. Donc, dans la simulation, ça, tout à l'heure, moi dis nous, port du masque, obligatoire. Eh bien, sous pas passé, barrière MSPP qui pour dit check, ça veut dire OK, ou pas qu'à entrer dans l'aéroport à tout, que c'est employé, que c'est voyageur. Ça veut dire qui ça? Que tout le monde a bien, au minimum, pour commencer, la prise de température. Il y a prend température pour voir si température normale et il y a questionné pour demander qui côté était qui côté sorti avant arriver en Haïti et on a un formulaire tout pour remplir avant qu'on ait accès à l'aéroport là. Donc m'pas besoin d'entrer dans plus de détails, j'aimerais dire nous pral faire une simulation pour représentant de pression et là ça n'a pour qui ça n'a parlé et peut-être là ça a tout nous pral voir qui somme de travail qui fait pour nous arriver ouvrir l'aéroport là. Nous pas capable ouvrir l'aéroport là parce que c'est progressivement exécutif là pour prendre des mesures pour progressivement ouvrir pays. Dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, nous pourrons l'annoncer, exécutif nous pourrons l'annoncer encore d'autres mesures et nous pourrons au fur et à mesure nous pourrons adapter nous à COVID-19 là, à pandémie hein, parce que nous finissons par réaliser que maladie ça a un aspect comportement personnel mais un aspect qui est plus important. Tout le temps, il a dit nous ça dans la nouvelle. Son maladie qui l'a encore pour un an et demi. Donc, comment on vive? Nous commençons, moi, tout le monde qui a un masque, moi-même, je parle beaucoup parce qu'en général, je ne parle pas fort. Mais en général, je mets un masque moi, depuis un lieu public. Donc, ça, c'est un comportement qui est responsable. Ça veut dire, si vous avez une maladie, vous ne pouvez pas sou pa gen maladi an tout ou pa pran nan men moun. Donc moi remercier nous et m'a invité nous secrétaire d'état a coordonner tout ça pour inviter nous pour nous faire présentation nan aéroport là. Donc moi pral quitter ministre Guy François ou bien ministre Nader reparler encore de réouverture aéroport là et si gon aspect que m'blié nous ka toujours retourner sous lui. Merci.
Tant que tout le monde connaît, notre président a dit dans le passage en dans l'aéroport, les 30 aéroports après ouvrir. Et nous constatons à travers le monde, secteur aéronautique là, par une source de propagation pandémie COVID-19. Je constate depuis un monde respecté tout principe sanitaire, qui donc, pour des masques, je félicite nombreux tous les journalistes là pour des masques. Laver mes yeux, depuis que je quitte là, en deux machines, même, ni sécurité, ni chauffeur, après, bien liquide pour au bon moins pour vider sous moi. Nous recommandons de camper distance 1,50 m dans respecter. Nous éviter attroupement. Nous éviter aujourd'hui, si nous pas besoin de sortir dans la rue. Eh bien, ouverture aéroport, pas en danger pour les citoyens qui vivent dans le pays. Certainement, il peut exiger, il peut le bail, le ministère de la Santé publique en pile travail. Un, pour toujours en aéroport, dans l'arrivée. Deux, pour la suivre, mon yo, la caillou. Parce que les grands tests préliminaires qu'a fait en aéroport, si le ministère de la Santé estime que les gens pour le garder, la garder, il n'y a pas rentrer la caillou. À partir des tests préliminaires qui testent température, là, merci, collègue. Et si vous n'avez pas aucun signe de maladie, ça n'a pas dit pour autant de pas malade, non. L'a quitté le rentrer la caille. Et l'a fait pour le deal, mettez-le en isolement. Après 14 jours, depuis le fabricant en caissier, le ministère de la Santé publique après l'île, a dit qu'il est libre pour circuler normalement, ne pas représenter un danger pour la population. Donc, là, nous connaissons qui rôle l'aéroport représenté dans le développement au pays, et notamment en Haïti. Oublier, moi-même, c'est moi qui ai géré le ministère des Travaux publics qu'on y est. En d'un pays, on a un paquet de gros chantiers qui créent emploi et qui est important pour nous tous, nous avons besoin de finir avec eux. Je voulais parler chantier CAI Jérémy. Il y a une quantité de kilométrage qui nous a aimé. Film Estrella qui a travaillé sur lui en retournant en d'un pays pour le finir. Nous avons un chantier. N1 qui route Henry, Gonaïve Henry déjà réalisé. Nous avons Henry Plaisance, Plaisance Concorde, qui filme Chinois ou la donne, qui l'autre film Estrée à la donne tout. Nous avons besoin de film travail sur recommencer. Nous avons chantier Hench Maïsad, côté Vob et Razel la donne. Nous avons besoin de recommencer. Chantier sur financer par Banque Interaméricaine de Développement. Nous avons un petit chantier Banque Mondiale financé pour nous tous. Et dans différents côtés dans le pays, nous voulons financer, nous voulons recommencer. Tout le monde qui a joué un travail pour la vie nationale là, qui a recommencé. Certainement, il y a des gens qui craignent pour remonter la maladie. Ce n'est pas aéroport ouvert chez l'aéroport à faire. C'est mauvais comportement. Population qui peut entraîner. Et si nous suivons la presse internationale, ce n'est pas réouverture à l'aéroport. Ils sont sortis dans le déconfinement. Dans le souci, quand ils ont souffert, qu'ils sont contents, oublier la tête. Et ils ont un peu de monde victime. Qui ça traduit? Ça traduit fort dans le monde entier, tous les citoyens qui ont gradé jusqu'à ce que. Yo jeune médicaments nécessaires qui ca traiter maladie pour affaiblir jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça traduit qui ça? Ça traduit nous même jodi an. Même j'en ai sorti il faut nous mettre chemisette. Faut nous mettre chemise sous non, faut nous mettre souliers. L'important massa fait partie des habillements toujours dire. L'important pour qu'on ait des bagages liquides qui sont désinfectés aujourd'hui. L'important pour ne pas être
proche au monde si vous n'avez pas besoin de respecter 1m50. Et depuis ça fait, la maladie n'a pas propagé. Et depuis qu'il n'a pas propagé, il a fini par descendre. Parce que les gens qui te prennent a guéri. Et s'il n'a pas prendre l'autre monde, eh bien, il a fini par descendre à plus faible expression. C'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, comme autorité, nous avons décidé d'ouvrir l'aéroport. Hein. Même Jean-Président a pris une décision de fermer le 19 à ça. Il prend une décision de réouvrir. Et fermeture ça, le président a pris une décision. Il me dit, wow, le président n'a pas attendu 2-3 jours pour nous retourner. Eh bien, c'était une plus bonne décision que tu as. Conséquence, Noël. Il n'est pas facile, lorsqu'on médicament pour pas de maladie, ou pas de maladie, ou pas quoi ces médicaments qui baoule. Mais si tu prends un médicament, ou tu as une maladie, ou tu as dit médicament, ça n'est pas bon. Eh bien, pour moi-même, médicament qui fait maladie à prendre sous nom, mon appel, c'est grande décision ça. Et avec travail, MSPP fait. Il n'est pas là, je dis bravo pour lui, bravo ministre, roi. Vous faites un très gros travail. Kembela, nous tous les ministres dans le gouvernement, nous bon côté, nous soutenons, et jusqu'à ce que la maladie réduise à plus faible expression. Donc c'est dans le cadre de ça, nous ouvrons l'aéroport, et je ne sais pas si les collègues n'ont pas eu ton bagage, avant nous bâillons les collègues. Alors, moi, je voulais ajouter pour nous qu'en plus de ça, l'aéroport, là, tout, prend des mesures physiques pour les rassurer voyageurs. Yo. Par rapport, ça veut dire le port du masque, dans tout côté, on peut afficher que forme obligatoire et on peut mettre tout sous ta fond aux gens, on peut remettre le masque, à moins que on mange, bien entendu. Ensuite, il y a une distanciation, il y a des marquages au sol. Je me rappelle les petits détails, c'est pour là, mais après, le, nous pourrons le visiter, on pourrait ça. On met des plexiglas à l'aéroport, on tout prend en disposition. Sous leadership AN, pour mettre plexiglas dans tout. Agent qui chita, par exemple, immigration et dans le contrôle, dans tout le contrôle pour protéger les gens. Tout le monde, ça veut dire immigration, douane, a bien grand. Il y a un travail sur ça, mise en place de caméra thermique pour le monde dans le passé. Il va avoir besoin qu'on ait, il prend la température. Li. Ensuite, il y a tout un dispositif, moi, je vais utiliser dans certains pays, que côté bagage, la vie. Automatiquement, gagner un appareil qui désinfecte bagage qui a entré avant même que voyageur là récupère bagage. Yo. Autant de mesures qui prend déjà ou qui en phase pour prendre pour rassurer et usager aéroport là et voyageur qui a aller et qui a tourné. Parce que même nous même n'a prêlé n'a dit moun k'ap vini a pote maladi a ben nous mais nous même tout dans l'autre pays nous pralé tout y a gardé yo di ou comment ça ou prend mesure pour pas pote maladi a ben nous pas mettre dans tête nous que c'est nous même seulement qui peut que maladi a va rentrer la caille nous là on haïtien a voyager tout l'autre pays a tu a poser question et li important pour nous montrer ça yo et me compter sur tout monde la presse ça yo pour rassurer l'autre monde yo par rapport à nous même tout que nous gain protocole pour ça et protocole yo en accord avec toutes les organisations. Je vais laisser le ministre Guy François. Net et m'a dit non à partir de 30 aéroports internationaux ouverts et même dès l'autre aéroport international nous allons le faire là encore. C'est aéroport Kaila et aéroport Jérémie. Et dès que nous finissons le travail sur Aéroport pour respecter les normes internationales là, là pour ouvrir tout. Moi dit non, non, c'est des gens responsables, n'a pas de personne responsable. Population, il faut nous tenir compte de santé, il faut nous tenir compte des situations économiques. Tout. Dans le cadre de ça, je dis non merci. Je vais passer la parole à mes collègues, Guy François. Voilà. Merci, collègues, ministres. Nader, ministre
Myriam Jean. Et bien content de faire partie de Task Force pour l'ouverture à l'aéroport. Et j'en te dis, ministre, tu as le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère des Affaires étrangères qui était avec nous. Et nous avons remercié Dina Rienio, Premier ministre, président de la République, là, tout ministre, ministre de Santé. Et je pense que je dis à 100 ministres de Santé, sans approbation, Premier ministre avec président en tout. Nous pas tap là pour nous parler de réouverture. Et faut Jean-Ministre Nadia te dit le 19 mars, l'année de décision, en conseil des ministres, pour nous fermer l'aéroport, c'est même Jean tout. Après 3 mois, nous prenons les mesures nécessaires, tout en respectant le protocole sanitaire. C'est même Jean qui a ouvert le tout. Et nous connaissons une pile doléance que ministère haïtien vivant à l'étranger, affaires étrangères prend tout, parce que quand pile haïtien qui était collé l'autre boglo et moun sa yo gen moun qui quitte business yo, yo pas ka rentrer et jodi a yo gen chance pour retourner dans pays yo. Gen diaspora tout qui voulait rentrer vinn wè famille yo et quand pile moun qui gen business yo en Haïti tout qui voulait vinn faire suivi. Donc faut nous garder aspect économique là. Même j'ai tout, pendant n'a respecté consigne autorité sanitaire. Et c'est peut-être ça m'a dit encore une fois, 90 jours, ce n'est pas là qu'il nous noter, c'est travail, nous avons travaillé pour nous mettre à la hauteur, pour nous répondre à normes santé publique, yo, ministère de la Santé publique. Et je pense que nous travaillons ensemble, je félicite tout ministre qui l'a, tout ministre, tout collègue ministre, yo, président, premier ministre, et je dis que nous travaillons dur. Et moi-même, je dis que Walpam, notre tasse-là, nous faisons pile suivi avec l'INA Rienio, même avec le ministre touriste-là surtout, pour nous garder qui j'en, que nous avons une solution. Pendant ma parole, je dis à ces domaines sorti protocole pour l'ouvrir le premier. Donc, qui veut dire que en pile dans le pays Caraïbes a déjà ouvert. Donc, nous-mêmes, nous prenons les mesures nécessaires. Et j'aimerais dire, pendant 90 jours, ça, yo, il y a un travail qui fait un aéroport, parce que nous avons une chance à visiter pour nous avoir une distance sociale là, et sanitizer pour nous nettoyer les mains. Et en même temps, port de masque qui est obligatoire, que nous avons déjà quitté le masque pour non seulement employer l'aéroport, tout le monde qui peut entrer dans l'aéroport, il faut avoir un masque. Donc, si vous avez un masque, nous avons un masque. Donc, encore une fois, j'aimerais dire, je félicite toute l'équipe là et je pense que au niveau global, nous avons 14 millions de masques qui déjà, que nous déjà recevons. Et il faut me dire 14 millions de masques, ce n'est pas à l'étranger que je suis sorti, c'est là la caille, dans différents secteurs, secteur textile et les petites et moyennes entreprises que je salue. Et tout le monde a eu une chance de participer puis faire masque. Et il faut annoncer tout. De nous parler de ouverture graduelle. Semaine ça, nous en période de ouverture graduelle à l'aéroport. Je dis à moi, c'est qu'il y a 2 vols JetBlue qui a entré. Et hier, il y a 2 vols tout. Et lundi, il y a un dernier vol avant, j'aimerais dire, inauguration, réouverture à l'aéroport. Donc, j'aimerais dire, et son travail d'équipe, m'a félicité tout le monde. Et j'aimerais dire, nous mettons tête ensemble, et je dis à nous là, et j'aimerais dire nous là pour nous bailler bon consigne et continuer à respecter les consignes sanitaires, que ce soit, j'aimerais dire, port de masque, lavage des mains et puis distance sociale. Là. Et ma son dernier point, nous gagnons un devoir, c'est un devoir, son responsabilité. Et responsabilité assez individuelle que liée. Parce qu'on moun kap fè résistance, kap di li pa kwen lan masa dérangé, etc. Jean Premier ministre dit, si masa fò chaud, l'on batè a, pa pou jan li chaud tout. Et nous déjà 96 morts, et n'ap salué mémoire, nous gen collègues nous que nous perdu, et secrétaire d'État Kantav que nous perdu. Donc, c'est pour me dire nous que le nous pas suivre consigne, nous victimes.
Et peut-être qu'on a 40 et sous moi, c'est odeur à seulement pas prendre. Mais il est arrivé son l'autre monde, il frappe la tête. C'est peut-être ça. Nous pensons que ma s'ennuie. Moi-même, je ne peux pas la voir sous pareil masque. Sous pareil masque, désolé, je suis distance, mais moi-même, je ne peux pas parler la voir. Et je salue l'entreprise privée, l'entité publique qui exige port de masque. Si vous-même voulez marcher dans la rue sans masque, ça c'est où? Mais soit par ton côté, vous exigez port de masque, il faut respecter ça. Et je me dis, hein, ce n'est pas pour rien que vous faites, c'est pour protéger la vie. Et ou même vous avez un corona, il n'y a pas pour rien. Et puis vous avez une grand-mère, un grand-père, une famille qui a un problème de tension, qui a un problème as, et pour tuer. Donc c'est peut-être ça. Continuez, respectez les consignes. Et pour m'ajouter, ministre, au niveau aéroport, je suis presque sûr que le ministère de la Santé publique a fini avec un local que ont installé pour recevoir mon si au cas de des cas d'urgence de COVID. Et ça sont très bonnes décisions. Les formulaires autour dès que nous entrons, faut nous remplir formulaire MSPPA. Et nous avons lancé un avertissement. On nous avons un faux numéro, un faux adresse, avec des conséquences tout. Sous un faux adresse, faux numéro, dans le formulaire MSPP, ça, parce que j'aimerais dire, si vous avez causé des dégâts, avec des conséquences. Merci. Nous sommes disponibles et disposés pour répondre à toutes questions. Et. Alors, dans même 29, nous avons besoin nous-mêmes au niveau du ministère de du tourisme, montrez-nous qui ça nous-mêmes nous préparer, présentation qui a déjà été faite dans l'exécutif, pour nous montrer nous qui ça nous préparer pour en attente de voyageurs, frères nous, famille nous, cousins nous, ménage nous, cap rentrer. Pour qui gens nous-mêmes avons préparé pour la saison estivale là. Donc, c'est pour la reprise des vols commerciaux. Donc, nous-mêmes, nous avons trois axes que nous avons essayé. Continue. Bon, nous connaissons le contexte là déjà, c'est déclaration d'urgence, renouvellement de l'état d'urgence, etc. Donc, à date, comme le ministre vient de le dire, le nombre de décès. Mais aujourd'hui, c'est la période estivale. Mes amis, nous toutes là, m'a réalisé ça. Nous toutes en général là, jeunes. Bon, sauf nous-mêmes, peut-être, ministre. Mais toutes journalistes là, c'est des mounes qui vont même, apparemment, qui vont même gagner 40 ans. Donc, c'est des jeunes nouilles. Jeunesse, vous l'avez dit, ambiance. Faut nous prendre plaisir, faut nous sortir, faut nous amuser, nous. Donc, je dis, hein, nous gagnons tout voyageur, tout, qui besoin de venir. Nous, quand ça veut dire, le monde est dehors, et puis, il a besoin de rentrer la caillou. Feeling, ça, qui s'allie. Mais nous-mêmes, nous besoin d'accueillir tout, le venir la caillou. Nous gagnons tout, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, nous avons géré la maladie COVID-19 là. Et réouverture dans toute région fait que nous-mêmes, nous avons obligation tout pour nous ouvrir. Le président a insisté sur ça. Si nous allons ouvrir, nous allons passer par la République dominicaine, il y a un bus, il y a la caillou. Parce que l'objet de la caillou, on va chercher moyen pour venir la caillou. Donc, stratégie nous sous trois axes. Accueil à l'aéroport que nous voulons renforcer pendant toute saison estivale. Ça veut dire de juillet à septembre, inclusivement. Renforcement capacité secteur, là, Mbralvini sous ça. Protocole sanitaire, c'est ça, renforcement. Et puis accompagnement sécuritaire. Par contre, si nous réalisons ça, jeudi, nous mettons un. Là, un policier politour, la police touristique, qui est là pour montrer que. Yo là tout, yo nan chaîne et yo vle aider voyageurs qui viennent, que ce soit diaspora ou bien étranger, pour rassurer yo. Et puis accompagnement de fête patronale. Nous connaissons saison estivale là, ben été à vle dire en pile fête patronale. Moi sûr là, en pile jeune garçon, jeune fille qui vont sacrer on bal au caï. Ou ap quitter après-midi 15 août pour prendre non bal qui a fait au caï. Moi même époque pam c'était système ben. Donc ou ap quitter Topicana pour aller non bal au caï, son gros bagage et puis demain matin ou pas même jeune côté pour dormir ou pour, enfin pas chercher côté pour dormir, ou va prendre bus pour retourner la caï. Nous tout comme ça. Donc c'est ça
tout saison estivale là veut dire la caille nous. Donc faut nous accompagner moun yo tout pour nous continuer sensibiliser yo, pour yo continuer mettre masque le plus possible, respecter distance, laver mains yo, ça très important de temps en temps parce que ça tout moun dit dans tout réseau, dans tout internet qui ça va point, tout bagarre là c'est mains qui touchent yeux, nez ou bouche et puis l'hypothé virus là en dedans. Donc, c'est améliorer l'expérience des voyageurs. On continue. Et puis, la mise en place, la sensibilisation. Nous aurons toujours la sensibilisation. Et après l'été, nous serons en mesure, ici au ministère du Tourisme, pour nous dire, tout journaliste, mais combien de monde qui est rentré, mais qui côté est allé, mais qui pour qui raison est rentré, combien de filles, combien de garçons, combien de jeunes, combien de moins jeunes. Toutes statistiques, ça, on a passé pendant cette période-là. Nous avons déjà mis en place structure pour nous recueillir toutes statistiques. Toute statistique de monde qui a rentré dans le pays. C'est très important parce que là, ça a besoin qu'on ait qui côté pour faire plus marketing, pour attirer plus de monde encore, la caillou. Donc, nous mettons en place un protocole sanitaire de concert avec toutes les associations touristiques. Nous avons dit que ça va être important, mais bon, expliquez-nous. Soit dans le pays, je dis, et vous arrivez dans le pays, et vous rentrez, personne ne va dire rien. Qui est souillé, qui documente voyage ou gen amen, est-ce qu'on a un visa ou entrer? Là, ou entrer dans l'hôtel, ou entrer dans l'hôtel là, ou pas ouais, pour du masque obligatoire, ou pas ouais, ou mettez pour laver, mais dans le contexte COVID que nous avons aujourd'hui, je suis sûr que vous avez commencé à dire, ou crème bon côté mien, ou crème c'est pas corona, m'vin pour. Donc, toute question ça, c'est protocole sanitaire là, qui est adressé, yo, qui doit être validé par le ministère de la Santé publique, de sa division d'hygiène sanitaire. Et nous travaillons sous protocole ça, de concert avec toutes les associations touristiques, particulièrement l'ATH, qui était ben nous en premier draft de documents, que nous travaillons avec, qui commence ces documents, mais nous-mêmes n'avons pas raffaire avec un résumé qui doit être validé, qui sera validé dans les jours avant même la réouverture des aéroports, parce que nous-mêmes qui prenons l'hôtel Kounia, il faut que nous connaissions que y a une série d'espaces dans l'hôtel là qui nettoyaient. Exemple encore, nous devons arriver nous dire espace qui puis salle dans l'hôtel, c'est peut-être toilette là, bol toilette là, et pourtant, et moche porte. Côté que tout le monde a ouvert une porte, fermé une porte. C'est lui-même qui a mis le virus là dans le monde, et puis il y a une figure. Autant de logique qui est adressée dans le document ça, c'est un document de 33 pages qui pourrait circuler dans tout réseau parce que nous pourrions faire des impressions massives pour nous bailler tout secteur. Hôtelier, son exemple, je prends, les cas centre d'hébergement, il faut adopter document ça sous l'égide de MSPP et ministère du Tourisme. Et là, au final, adopter, nous avons un département dans le ministère, là, qui est je salue mon DG qui est là, qui est le département normes et qualité, qui va visiter centre d'hébergement, hôtel, restaurant et tout pour voir est-ce que yo répond à normes ça yo que yo supposé adopter avant que nous bayo on certification qui pral visible et qui pral rassurer mon client potentiel qui pral fréquenter zone ça. Donc ensuite au niveau de l'aéroport, je reviens sur l'aéroport, l'accueil, on aura des stagiaires, on connaît, il est toujours bon leur paraître ou de belles jeunes filles, de belles beaux jeunes hommes qui sautent dans le pays qui accueillir ou qui dire bienvenue ou sentir tant que ça veut dire on accueille chaleureux. Nous prévoit ça, nous prévoit tout bas chaque voyageur un welcome kit, nous carrer le comme ça qui gagne gel hydroalcoolique, qui gagne un petit on rappelle de toutes mesures qui est numéro d'urgence surtout et un numéro que nous-mêmes n'a mettez en place gratis pour tout voyageur pour si en cours de route yo sent son malaise yo pas qu'à joindre PNH tout de suite mais yo même n'a joindre et n'a fait suivi et ministère des Haïtiens vivant à l'étranger déjà fait ça. OK, n'a fait de concert avec ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous n'a gon ligne téléphone non payante. Nous hier justement, j'ai eu la bonne nouvelle avec mes collaborateurs, on va mettre en place un réseau de wifi gratuit pour tous les voyageurs. Ça veut dire nous quand nous arrivons à l'aéroport, besoin font coup de fil. Ou monter sur wifi ou font coup de fil par WhatsApp.
et pour les monde qui t'en dehors ou bien monde qui te mène là pour le connaître ou bien river. Donc n'a met un réseau de wifi gratuit non aéroport là même à la sortie, parce que nous avons un kiosque à la sortie pour accueillir les voyageurs. Ensuite, Politou qui sera là, présent sur tout le parcours de l'aéroport pour accompagner voyageurs là, pour dire voyageurs bienvenue. Et puis là où est en général dans tout pays où est présence policière ou rassurer et pour demander mon si vous voulez faire tel bagage, quoi vous me faites. Donc c'est pour ça et à plat. Ensuite, toujours sensibilisation, toujours la sensibilisation, particulièrement dans les fêtes champêtres. Donc, c'est ça que nous te voulons partager avec nous. Nous ne pas voulons trop longue, donc nous ne pouvons pas passer SE, nous ne pouvons pas passer. Et pour les questions, oui, pour la coordination. Merci. Nous disons merci et nous disponibles et disposés pour tous les journalistes. Pardon? Autant de questions, vous voulez? Parce que si vous voulez, tout dépend de ça, vous voulez. Parce que le président dit, vous nous mettez nous disponibles et disposés pour la presse. Et la presse pose des questions, vous voulez, lui demande des informations qu'elle voulait. Et non pas que vous n'avez caché. Et il y a des bagailles nous fait, c'est nous qui vous disons. Parce que il y a des bagailles, il y a après 40 ans, pour te dire, nous faisons pile de bagailles. Malgré le coronavirus, pays l'autre, n'a pas arrivé à faire deux aéroports internationaux. N'a pas arrivé à réhabiliter la route Carrefour Joffre en sa fouleur. N'a fait une route au Caï Jérémy. N'a fait une route RN3. C'est nous qui vous disons. Et si nous pas dire, il ne doit pas dire pour nous. Donc, monsieur la presse, par l'écrit télévision en ligne, nous sommes à votre disposition. Merci bien. Bonsoir à tout le monde, c'est Jamila Terry, ma travail pour Radio Média. Ministre, nous changeons au départ les gagnants compatriotes haïtiens qui ont été voulu rentrer. Le gouvernement a mis ensemble l'exigence pour nous qui ont décidé de rentrer. Est-ce que pour nous, il y a un monde, pendant l'ouverture graduelle à l'OPOA, il y a un monde qui voulait rentrer à Haïti par aucune exigence que le gouvernement balie. Et puis, on t'a demandé tout, l'aime constater, j'en monte toujours après camionnette, j'en transport en commun toujours y est, j'en m'amène toujours y est dans le marché. Est-ce que ouvrir un port, c'est pas crier, nous crier victoire trop bonnet? Bon, est-ce bon, que pour bon, nous, bon, notre population bon, assez sensibilisée pour prendre décision non plus, puisque qu'on y a minimisé seulement sous comportement pour éviter une catastrophe sanitaire? Bon, je vais prendre une dernière question, collègue, je vais prendre une première question. Le secteur aéronautique n'a pas grand-chose à voir à tap-tap, mon cap circulé dans la rue. Le secteur aéronautique n'a pas grand-chose à mon cap sur le pays étranger. Est-ce qu'il y a un malade? Est-ce qu'il y a un cas propagé maladie? Il y a un ministère de santé publique qui est clair, il dit mais qui conditions pour nous faire pour ne pas propager maladie? Si vous êtes dans un pays étranger, on fait 14 jours à Kayo. Vous avez rentré en masse dans le figure. Il y a un test préliminaire. Si le test préliminaire n'a pas montré aucun signe, il y a suivi pendant 14 jours. Si après 14 jours, on ne présente aucun signe, il y a après, on ne représente aucun danger. Vous présentez des signes, il y a encadré pour y traiter. Voilà la logique. Système aéronautique là pas rentré dans le monde qui parle dans la rare, pas rentré dans la logique monde qui prend camionnette, pas rentré dans la logique monde qui parle pour porter masque. C'est pas secteur aéronautique là qui empêche le monde porter masque. Moi, je dis non clair, sous propagation, c'est comportement chaque grain citoyen. C'est chaque monde responsabilisé de tête. Faire masque là, faire une obligation, tant qu'on l'a sorti, il faut mettre une chemise sous, il faut toujours mettre un masque là. Sauf en d'un caillou. Moi-même, je dis, depuis que je n'ai pas de masque, je me sens que manqué. C'est comme si un monde qui habite mes slip sous lui ou autre si c'est fille, ou pas mettre le sentir vide. Alors que si mon n'a pas développé culture sale, pas sentir. Ou après un an, chaque fois qu'on a sorti, il ne permet pas ça, ça nuit. Et là, on s'en masse tout, ça nuit. On a développé culture ça, puisque l'équipe scientifique sanitaire, pas pour en mesure pour dire qu'il est malade, ça fini. Il n'y a pas pour en mesure pour dire qu'il y a un médicament réellement qui est bon pour maladie ça.
Donc, autre idée ça, on ne peut pas confiner éternellement. Faut nous développer notre culture qui respecte les règles sanitaires, les règles d'hygiène, pour nous vivre maladie, pour nous fonctionner, pour nous mourir les grands maîtres-là. Venons mourir, sans c'est pas un mauvais comportement qui a pas traîné ça. Bonne première question, collègue, je vais te Guy, je vais te répondre. Bon, en ce qui concerne mesures, et si nous te voyons dernier circulaire que le premier ministre a été sorti, côté, il a demandé qu'un passeport pour ouverture graduelle là. Qui veut dire que pendant semaine ça, l'on entré, il y a qu'un passeport pour 15 jours. Kounia, pour le, avant le premier, nous allons voir si ça a changé. Parce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'un formulaire MSPPA que m'a rempli. Et n'a pas travaillé sur ça là, j'aime dire. Hein, parce que si on m'a arrivé par un menti, soit adressé à un numéro, nous ne pouvons pas jeune monde ça. Donc c'est peut-être ça. N'a pas finalisé parti ça. Il m'a dit qu'il y a de nouvelles mesures qui sont sorties pour l'ouverture là. Mais pour le moment, l'entrée, il y a qu'un passeport pour 15 jours. Dans le sens, j'aime dire, hein, pour nous gagner contrôle, monde ça qui est sous territoire là. Et vous avez parlé de. Et en danger que ça représente avec l'aéroport qui ouvre. Et m'ka dit que j'aime qu'à expliquer ça. Et transmission communautaire là, elle est déjà faite. Qui veut dire nous avons plus de 5743 cas. Donc, qui veut dire qu'à travers le pays, il y a différents cas. Et m'ka quoi, l'aéroport a été fermé depuis 19 mars. M'ka quoi, c'est l'aéroport qui vient de bail. Est-ce que l'Ipral pote plus cas? Peut-être, peut-être pas, mais nous, j'aimerais dire, hein, n'a pas respecté le protocole sanitaire, j'aimerais dire, hein, pour éviter des dégâts. On prend exemple des portes qui entrent là, c'est haïtien, ils vont retourner dans le pays, ils ont un COVID positif, mais l'autorité sanitaire prend les mesures nécessaires pour bailler aux soins et puis récupérer. Merci. Ma responsabilité femme de ou un problème ouvert sur l'aéroport ça il fait pile débat en dans le gouvernement notamment dans le conseil des ministres et pendant qu'on est ministère de la santé il faut le défendre position ni c'est le mec qui a géré la santé hein. Ministère de travaux publics il faut le défendre aéroport en tout surtout le grand pile travail il faut le monde qui est en train dans le pays hein, pour travailler pour continuer et dans aucun pays du monde l'État n'est pas capable de faire des gens manger pour contre lui. Ça, c'est une réalité. Et je n'ai pas aucun cas où les gens qui disent ouverture ou aéroport qui source de propagation de maladie depuis que les gens ont respecté toutes les conditions. Pas de sortir de là. Quant à la restriction, pas oublier, tout est dynamique. Tout est dynamique. Donc, le Premier ministre va le trancher dans le temps. Pour le dire, pas depuis avoir ouvert, un monde qui rentrait, je dis, les cas décidés de partir demain. Est-ce qu'on a quelqu'un qui passe pour ça? Non, ce n'est pas le même cas. Premier cas, l'aéroport n'a pas ouvert. C'est normal. C'est des mondes qui demandent pour venir, suivant les circonstances bien spécifiques, et nous faisons rentrer. Et comme ils rentrent, il faut être capable de suivre. Je dis, l'aéroport a ouvert. Et le ministère de la Santé a un paquet de rôle pour le jouer. Certainement, tant qu'on en dit, non, c'était le gain moyen politique. Il faut le gain code dans le même, pour le gain cadre avec lui, et cadre dynamique. Et je crois, madame, moi, on fait très dynamique. Et je me félicite, la joie pleinement, pour ne pas prendre prétexte, pour dire ouverture aéroport qui est source de propagation. Donc, tant que le collègue Myriam dit, les maladies rentrent en Haïti, montent au monde, quel que soit le cas à la rentrée. Si la République dominicaine ouvre l'aéroport en vent, ou mettre comme c'est l'air qu'on y a, propagation à café rage. Nous avons passé la rentrée dans ce domaine, vu que nous n'avons pas de contrôle toutes les frontières, nous avons passé en bas fil, la rentrée qu'on y a, en passant dans la manière à faire, il a attrapé la maladie et puis il baille. Faut non responsable. C'est bon petit mesure nous prend comme ça. Et il y a des débats si nous avons un conseil, nous même nous avons dit waouh, c'est terrible. Donc nous ne pas faire un bagage à la légère, non sûr, non jouer tout rôle, non, pour que tout le monde
le travail qui a recommencé en même temps pour ça, les maladies pas propager en d'un pays. Encore une fois, nous saluons le leadership ministre santé publique là, dans la décision, dans l'action, dans la réponse rapide que les bails, dans la gestion, comité multisectoriel, comité intersectoriel, toute primature et leadership président. Tout. Président qui était ça l'a fait pour le déplacer, pour le vinouer. Est-ce que ça nous dit nous faire dans l'aéroport là? Est-ce que nous faisons le vrai? Est-ce que l'IFET, est-ce que la fonctionné simulation avant que décision on prend? Je nous dis, décision on prend, nous qu'a dit c'est moi-même, c'est ministre Nader ou bien ministre Guy. Non, tout le monde participait et ensuite encore nous rechita, nous discuter avant nous prendre décision. Parce que nous connaissons ça, ça veut dire. Nous aurions été fermés, non, caille, l'autre bord. Moi-même, moi, mon oncle qui dit, je ne sais pas si c'est non. Il dit que c'est mourir pour venir mourir à Haïti. Moi-même, je suis venu, je suis seul rad mettre sous moi. C'est lui-même seul qui est avec elle parce que toute ma lettre, moi, déjà faite, déjà, il m'a voulu ouvrir, je tire l'autre rad là-dedans. Tellement paré pour venir dans le pays que c'est mourir, je suis mourir. Qui sort à dire? Donc, il faut que nous continuions et nous continuions le travail pour nous adapter le protocole au fur et à mesure. Simuler, garder dans le concret, un bagage que nous pas nous comme détail. Aéroport, pas pral, c'est ça que fait nous dire progressivement, il pas pral fonctionner, j'en ai qu'on fonctionnait avant. Gen ça y aurait l'établissement des créneaux horaires. Journée, aujourd'hui, toute ligne aérienne yo communiqué horaires volio et AAN font arbitrage pour dire que de telle à telle tel avion qui va entrer. Si son avion qui a plus que 200 personnes, c'est lui-même seul qui peut rentrer dans l'espace de 2 heures ou 3 heures de temps. Pour qui ça? Pour respecter la distanciation. Et pour ne pas avoir pile de monde dans l'aéroport qui fait que nous ne pouvons pas respecter les mesures barrières. Tout ça, c'est des détails techniques, mais qui pourraient l'appliquer. Si son avion qui a moins que 100 personnes, là, ça, nous pouvons accommoder deux avions. Donc, encore une fois, et ces informations, créneau horaire, nombre de personnes qui rentrent, nombre de personnes qui travaillent à l'aéroport, nombre de personnes qui travaillent dans les lignes aériennes, nombre de personnes qui travaillent dans les restaurants et les magasins, nombre de personnes qui travaillent dans le... Monsieur Franz Devario qui nous a beaucoup aidé de la task force, Monsieur de Sunrise, nombre de personnes qui travaillent dans les services au sol, toute information ça a communiqué à MSPP qui lui-même vérifier en tout temps combien de monde qui a bien accès dans l'espace là. Et il y a l'ingénieur aussi qui nous a aidé à la AN qui pour dire que dans l'espace de 100 mètres carrés pour respecter la distanciation 1,50 m ou 2 mètres là, mais combien de monde qui a la donne. Tout ça, c'est des actions qui prennent avant que nous ouvrions l'aéroport là. Et nous avons besoin de saluer le leadership Premier ministre, président, ministre santé publique, là, ministre travaux publics, ministre Guy François, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, les lignes aériennes, services au sol, l'OFNAC, PNH, parce que c'est PNH, nous voyons dans la simulation, on a fait avec nous, c'est PNH qui devant, la douane, l'immigration, les employés de l'AN qui sont tous là et que nous devons protéger, qui doivent se protéger d'abord, mais que nous aussi, nous avons l'obligation de protéger. Merci. Merci, Madame la Ministre. Vision 2000. Merci. Moi, c'est Michel Xavier. Nous travaillons pour Radio Vision 2000. Nous vous remercions pour la présentation. Même si des fois nous élaborons, nous avons dit presque même bagaille, ça va nous permettre que les journalistes viennent nous dire pas tellement centré et ça nous le dit. Nous disons perdu, le nous dit que faut. Alors, ouverture aéroport ne peut pas permettre que la maladie elle-même les propager ou bien les continuer. Je me rappelle nos deux premiers cas, c'était deux premiers cas importés qui ont été. Peut-être que nous avons gagné notre synergie, mais nous avons perdu, là, nous dit ça. Et est-ce que nous gagnons, par exemple, nous permettre que les gens qui ont sorti à l'étranger pour venir ici, est-ce qu'ils ont présenté un certificat qui a dit nous qu'ils ont été testés positif ou négatif de maladie. Maintenant, nous disons que le passeport, si nous avons venu, il vient faire 2 jours, 3 jours, dépendamment de ça, nous avons fait 8 jours par exemple, et l'aller, il faut à tout le monde, il faut faire tout le pays, non, moins que 8 jours, dépendamment de la possibilité qu'il gagne, et que lui retourner dans le pays là encore. Donc, qui j'en ai même nous prévoit
pour nous faire ça. Et puis, quantité de monde avion apporté, nous avons nous répondre. Nous n'avons pas besoin de faire pile étalage dans la réponse, s'il vous plaît, pour nous pas. Il est essentiel. Donc, moun kap vini, nous avons dit, est-ce que quantité de monde qui a monté dans l'avion, nous contrôlons ça avec compagnie aérienne, est-ce que ça veut dire tout ticket pour le monter sur une question auditeur qui me poser pour lui? Et première question, et deux monde qui sont entrés dans la radio, mécanisme pas de mettre en place pour te suivre. Sans qu'on ne comprenne. Et immédiatement, mécanisme mettre en place, problème n'a pas posé encore. Et je réponds à ça. Et certainement, Fablier, depuis mon entrée, il a suivi. Ça, c'est sûr. Mon n'a pas gagné pour la marcher à gauche, à droite. Il a dit mon nom clair, s'il vient avec mon bagage, il peut régler ça, le régler. Et la retourner sans prendre contact et mettre toute précaution. Depuis mon nom précaution, si on est malade là, je ne vais toucher à vous, je respecte la distance. Dans tous les deux des masques, pour mettre quand même, même si on est malade, je ne vais pas malade. C'est ça le gain logiquement. Tout au moins, quel est dans le pays ou sur le plan international, c'est ça, entendez. Même si le ministre Myriam est malade, il y a un masque, il y a un masque. Si je touche, je me lave même, eh bien, je suis en forme, je change ma soin de temps en temps, la maladie n'a pas propagé. Donc, je vais revenir sinon, bon, ben. Pour me répondre, pour m'ajouter à ça, ministre, hein, et oui, vous avez raison, transmission, c'est de l'autre bord que je suis sorti, mais j'aime t'as dit tout à l'heure, transmission communautaire là, c'est même Jean Kagon moun la qui gen corona au niveau local li marché ba on paquet moun ni et Jean ministre dit hein soumettez masou protéger tête tout son question de c'est Jean prend responsabilité ou et c'est peut-être ça et premier journaliste hein qui t'ai parlé de victoire c'est pas une victoire maladie en bel et bien là mais question que m'gen pour journaliste surtout que personne pour ka répondre vaccin OMS sorti un rapport nous là pour 2021 pour vaccin. Donc, est-ce que nous fait un pays jusqu'à 2021? Parce que l'on a calculé employé AN, employé OFNAC, différents employés qui sont dans le secteur linarien. Est-ce que nous voulons tout à linarien ça fermé? Et puis, qui ça va arriver? Il faut nous apprendre à vivre avec maladie. Hein? Et il faut nous prendre des mesures, il faut nous protéger tête nous. Et je me dis, ce n'est pas question de qui est-ce qui saute qui côté. Parce que la frontière, il y a environ 57 000 personnes qui sortent dans la frontière là. Donc, pour que ça nous pas garder parti ça. Donc, j'aimerais dire, hein, transmission communautaire là, elle est déjà là. Donc, j'aimerais dire, hein, c'est mon pour pas précaution, qu'on saute l'autre bord côté ici, c'est précaution pour prendre avec maladie. Merci, ministre. Sur notre question de agent Alain Simakajou, Radio Galaxy, est-ce que nous avons ouvert pour les citoyens qui ont sauté dans tout le pays, même pays côté gain actuellement, deuxième vague maladie coronavirus là? Et puis deuxième question, est-ce que le ministre Touriste a parlé de fête patronale? Est-ce que implicitement ça veut dire, dans le jour qu'a venu là, couvre-feu qu'a levé puisque bal a commencé? Est-ce que bal a commencé? Bon, ma réponse dernière question. Hein, concernant le couvre-feu, nous avons parlé ça dans le débat dans le ministère, dans le conseil des ministres. C'est sûr, le ministre de la Santé publique notamment a parlé de ça. Il n'y a pas avancé. Est-ce qu'il a fait minuit, une heure? Pour qu'on commence demain à 4 heures, ça, le président va le trancher là-dedans dans le cabinet. Donc, pour fête patronale, c'est sûr que fête a fêté. Que l'église qui est Saint-Patron ouvre, qu'elle va ouvrir, mon a venu devant l'église là, vient faire prière et au paradis rien. L'essentiel, c'est sensibilisation et comportement. Sensibilisation, rappeler moun yo, mesure yo, comportement. Et aider mairie yo tout, mettre en place gestes barrières yo. Qui c'est pour moun yo mettre masque et laver main yo. Laver main yo, plus important encore. Parce que il suffit que vous mangez un objet, virus la nan main yo, mais ou laver main yo de temps en temps et ou éviter mettre main yo dans figure pour virus ne pas entrer dans tout nez, dans tous yeux ou bien dans bouche. Et puis, ou lavement, ou respecter les mesures barrières, ou pas le prier. Donc, Jean-Ministre Nader, je ne vais pas répéter, le ministre Nader répond à une question déjà. Le gouvernement a regardé reprise progressive activité pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la situation actuelle du pays. Tout le monde qui est en chaîne de responsabilité,
Et bien, réponse à coronavirus là, il y a un pour yo assumer par des responsabilités. Nous, les gens qui ont dit, détailler les choses, ça va me détailler pour tout le monde. Si nos centres de prise en charge, c'est la police qui vous sécurise, la police t'a failli à mission, à ce moment-là, ça va provoquer une catastrophe. Si c'est santé publique qui vient en action pour le poser, il va poser, à ce moment-là, ça va provoquer une catastrophe. Dans l'aéroport, là, si c'est le ministère des Travaux publics, avec la direction générale aéroport qui vient en responsabilité pour l'assumer, il pas fait, ça capable justement de participer à faire propagation de la maladie. Ça veut dire tout le monde enchaîne. Tout le monde enchaîne réponse dans net. Au moment pour nous rappeler que nous devons continuer à assumer responsabilité jusqu'au bout. En nous, personne n'a pas failli à missionner. L'histoire a retenu que nos moments. On était campé en femme, diam, en garçon, potomitan, pour camper beaucoup de population pour nous faire réponse à une grosse maladie, une pandémie de qui traverse plusieurs continents qui devait nous tomber la caillou. On va vous dire plus que ça, on voulait interpeller tout le monde en énième fois, notre État, les gens comme moi qui dirigent, en nous continuer à assurer notre responsabilité. C'est un plaisir pour que la presse t'ait accompagné nous pour nous faire communication ça. Nous avons trois ministres en gouvernement, Myriam Jean-Ministre Touriste, Junior Joassé Isnader, ministre Travaux Publics, Transport et Communication, André Guy François Junior, Guy André François Junior, ministre délégué chargé de la citoyenneté et du patriotisme. Bien à vous et à bientôt. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oop!